C'est vraiment le morceau qui nous représente le mieux M.O.P. Anti Up, parce que quand on le fait en concert, à l'époque il y avait des concerts, toujours la folie, on démarrait le show avec ce morceau-là sur notre gros medley hip-hop. C'est synonyme de notre énergie. On what you do, on where you at, on you got way, don't say that, I sipping wine, in the raw, I look to do. C'est good. C'est pas mal, c'est bien. Anderson Paak, quoi. Bruno Mars, quoi. On a pris vraiment, pour le coup, une claque de ouf. T'as envie de danser, de bouger la tête, de te mettre tout nu. Alors c'est vraiment ce morceau qui résume notre carrière parce que déjà ce morceau s'appelle Beginning, c'est notre première compo qu'on a créée. On l'a fait sur America's Got Talent, c'est la première aussi compo de nous qui est devenue virale sur internet. C'est grâce aussi à America's Got Talent que ce morceau est devenu aussi viral. Parce que déjà c'est la première fois qu'on allait aux États-Unis, enfin pour ma part. Ah oui, tous les quatre. C'était déjà ouf. Après les prestations, ben c'était la folie. Oui, c'était aussi la plus grosse dépression, la pression, pas dépression. Ultra pro, ultra carré, millimétré. Ouais. On partait dans un ascenseur, on montait à la Justin Timberlake. Ouais, ça voulait rien dire. Le fait d'aller à l'endroit où est né le beatbox, c'est parce que c'est nos États-Unis. Le fait d'aller représenter le beatbox, on est français, on n'est pas de là-bas. On est aussi le record de vues de toutes les saisons d'America's Got Talent sur YouTube. On est choqué de ça, mais ça fait trop plaisir. Eh bah bigger là. Ouais, c'est un classique en vrai. Ouais, c'est vrai. On peut pas dire le contraire. On n'ose pas la faire, mais on l'aime secrètement. Au final, on la kiffe quand même. Matrix, ouais, c'est un film monstrueux, voilà. Et pour la petite histoire, c'est aussi une des chansons qu'on a fait au championnat du monde, quand on a gagné les championnats du monde. Donc c'est pour ça aussi que cette BO, elle est importante pour nous. Du coup, c'est Dr. Dre. Qui n'aimerait pas faire une collab avec Dr. Dre? On a écouté tous ses albums, il nous a beaucoup inspiré. On commençait le beatbox, il y avait le chronique surtout, ça nous a bousillé quand on était jeunes. Les gars, on a... Ah, c'est ça. Il est dur. Ouais, il est dur, c'est dur. Soyez indulgents, ok? It's a new dawn, it's a new day, it's a new life, and I'm feeling. Feeling good. Feeling good, Nina Simone. On l'aime tous les quatre en fait ce morceau. Et c'est un morceau qu'on a fait à notre premier battle aussi. Ça va un peu choquer. Il y en a perdu. Give it up, give it up, give it up, do the right thing. Hey! Give it up. Ouais, du coup c'est Give It Up, c'est un son qu'on vient juste de sortir, on a sorti le clip, on a vraiment passé beaucoup de temps dessus et on est vraiment très fiers de ce morceau.
a quasiment terminé notre album. C'est un album qu'avec des compositions, parce qu'avant on a fait pas mal de covers. Pas pouvoir vous le faire du coup. j'ai pas les paroles, mais tant pis. Vas-y, vas-y. 5, 6, 7. Il est dur celui-là. Il est très dur. Ouais, il est dur. Une horreur. ACDC, hein, Thunderstruck. Le riff de guitare, en fait. Ouais. Le rock en général, en beatbox, c'est super dur. Mais ce morceau en particulier, il y a des placements particuliers, la guitare, les riffs et tout. Mais, mais il est tellement magnifique ce morceau en vrai que voilà, on essaye. Hein. Oh putain, celui-là. Sunday, Monday, happy day. Tuesday, Wednesday, happy day. Thursday, Friday, happy day. Saturday, what a day. Walking home with me, do. Vas-y. Ça, c'est. C'est trop long, quoi. Mais Shalem. Dominique.